Toi qui commence, ça? Je sais plus. Ah, là, on est filmé? Oui, vous êtes filmé. Monsieur Montélimar, Monsieur Gomez, donc on est là pour vous présenter le pôle scientifique et les différents ateliers qu'on met en place à Notre-Dame. Donc on travaille en duo souvent. Mmh. Ah. Oui, enfin, c'est tout le temps moi qui fais tout. Oui, enfin, on est un espèce de petit tandem et on fonctionne assez bien tous les deux. On... Oui. Oui, ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Ouais. Enfin, en fait, ouais, c'est ça, on nous force à travailler tous les deux. Voilà. Mais on fait. On fait semblant, oui, oui, oui. Mais on va faire un effort pour la présentation. On fait un effort. Alors, on propose. C'est Rick. On propose un atelier pour les sixièmes, une heure par semaine, où les élèves volontaires viennent faire une expérience de chimie. C'est de physique, chimie, beaucoup. On descend au laboratoire et les élèves peuvent faire une expérience. Alors on va en faire une en direct. Oui. Allez. On faisait. Alors c'est donc je parle pas. Vas-y. Voilà. Donc en fait c'est le principe de la bouteille bleue. En fait c'est une bouteille qui va changer de couleur en fonction de certains paramètres. Alors qu'est-ce qu'on met? Alors là mon petit. Eh ben on va commencer déjà par mettre. Du glucose, environ 2 grammes. Ah bah oui, pèse. Voilà. Donc. Deux grammes. Voilà. C'est pas fait. Voilà, 2 grammes, c'est bon, tout le monde a vu. Donc, hop. 2 grammes de glucose. Toujours être précis. 2 grammes. On continue ? On est quoi ? 2 grammes. c'est bon, c'est 2 grammes à Gomez et 2 grammes à Montélimar. Ça va. Ensuite, 200 ml d'eau. Donc vous allez vous constater que c'est quand même une heure de plaisir. Et que si vous venez faire des sciences avec nous, c'est vraiment pour se faire plaisir. Ah, et, c'est un plaisir de travailler avec toi. Ouais. Non, mais les élèves sont contents normalement. Ah oui, les élèves, oui, 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 bah, oui. Les pauvres. Oui. Et c'est pendant une heure, il n'y a pas de devoir, pas de. Voilà. Mais je me c'est... concentre là. D'accord. C'est bon, tu peux y aller. T'as pas fini toi encore? Non, quand tu parlais. Attends. Mais j'ai tout dit moi sur les sixièmes. Ah! Donc là, vous mélangez bien. Ensuite, 2 grammes, par contre là c'est dangereux, voilà, d'hydroxyde de potassium, je récupère. Donc je reviens à notre sixième, c'est une heure qui est entre 4h et 5h, entre 16h et 17h, et c'est que les élèves le qu'ils le désirent, qui viennent faire ces expériences avec nous. Oui, c'est une sorte volontaire quand même. Oui. Par contre, on n'a même pas de musique hein, quand on donc est deux en, grammes, en hein. classe. Parce que... Deux grammes. Hop. Et enfin, pour terminer, quelques petites gouttes de bleu de méthylène. Parce que j'aime bien les nombres pairs. Et donc, là maintenant, on va voir un petit peu la magie qui va se créer. Ouais, t'es envieux, hein. Mais ça parle bien en plus. Donc, vous voyez, ça.
Donc avec ma méthode à moi, vous voyez bien que c'est presque translucide. Hop, voilà. Et maintenant, on va réagiter. Et c'est devenu tout bleu. Voilà. Alors, mon collègue, ça sert à rien de filmer, regardez mon collègue, ça ne marche jamais quand il fait. Non, la mais c'est pas le bon produit. Bon, tu vois, je vais vérifier. Donc voilà, donc c'est une expérience. C'est une expérience comme celle-là qu'on peut faire pendant, pendant ces ateliers de 6e. Donc voilà, hop. Donc voilà pour les 6e. Et puis deux petits mots peut-être aussi pour les 3e. Pour les 3e. Important, où on propose aussi un dispositif et un atelier pour les 3e. Et là, on va. On est sérieux. Oui, on est sérieux parce qu'on prépare les concours scientifiques. Donc c'est génial, les fêtes de la science toutes les années. Et on est qualifié systématiquement pour les finales régionales. Donc voilà, donc ça c'est ce sont des sciences à un niveau un peu plus élevé. Oui, là ça vient énormément plus, c'est les élèves principalement. Quand ils ont une idée, on peut se lancer dedans pour pouvoir faire vraiment des manipulations qui sont liées à un thème en particulier. Énormément d'expérience, énormément d'analyse, mais cette fois-ci, c'est vraiment les troisièmes. Il y a aussi de la construction à l'arrivée. Oui. On avait construit, par exemple, un rail magnétique à l'époque. Là, ce sont des sixièmes qui avaient proposé ça. On avait proposé carrément une soufflerie aussi. Ce sont des sciences au sens large, donc ça peut être de la chimie, de la bio, ça peut être de la technologie, ça peut être vraiment... Et très souvent, on mélange tout en même temps. C'est ça. Et ça donc voilà. Cool. Donc, on fait un petit résumé. Donc, en résumé, nous avons un atelier scientifique pour les 6e, une heure par semaine sur la base du volontariat, voilà. Que ceux qui veulent, de 4h à 5h, et où les élèves de 6e prennent vraiment plaisir à venir ici et à faire une expérience avec nous. Et puis un atelier pour les 3e, un petit peu plus, d'un niveau un peu plus supérieur, où, qui nous amène à préparer les concours scientifiques. Tu nous montres ta bouteille d'eau. C'est pas le bon produit. Ah oui, c'est pour ça. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein. Ah bah ça. Là ça marche. Ah bah ça. Ah bah ça. Ah bah ça. Ah bah ça, ça me plaît.